Salutations voyageurs, nous nous retrouvons pour la suite de notre grande aventure sur Medal of Honor et le soleil levant, mais avant de continuer notre grande aventure, la lettre d'une sœur. Salut Joe, tu dois te demander d'où je sors ce papier à lettres. Je me débrouillais bien à la chaîne, mais le contremaître m'a offert un poste de secrétaire à la comptabilité. C'est mieux payé, je ne me plains pas. Mais tu devrais voir ta petite sœur au milieu des tôles en acier. J'ai une histoire marrante à te raconter. Hier soir, on est allé voir un film au Grand Théâtre. J'aurais aimé que tu sois là. Avant le film, il y avait les actualités. Ils montraient des Marines à Guadalcanal. Tout à coup, papa s'est levé de son siège et a crié « C'est mon fils, c'est Joe !» Il a couru dans la cabine de projection et a fait repasser la bande. C'était bref, mais un de ces gars était le portrait craché de Joe Griffin. Je t'ai même rapporté un souvenir. Bon, la pause café se termine, mais je t'écrirai bientôt plus longuement. Au fait, on a reçu ta carte postale. Il lui a fallu des semaines pour traverser le Pacifique, mais elle a vraiment illuminé notre journée. Affectueusement, Marie. Ah, c'est beau, hein. L'amour d'une sœur. En avant pour la suite de notre grande aventure. Le sommet de Singapour. On va visiter Singapour, Asseyez-vous, incroyable. sergent Griffin. Ah oui. Votre formation au sein de l'OSS est à peine Je l'avais terminée oublié. que déjà nous allons avoir besoin de vous. En fait, dès ce soir. L'un de nos agents a la preuve qu'une réunion au sommet des forces de l'Axe doit se tenir ce soir. Quelque part à Singapour. Il faut que l'on sache ce que ces saligots mijotent. L'un de nos agents vous contactera, le première classe Tanaka. Monsieur Tanaka. Les Anglais ont un agent secret du SOE là-bas, le lieutenant Bramley. Bramley? Il peut vous ouvrir beaucoup de portes, alors ne le ratez pas. Voilà pour votre mission. Et n'oubliez pas, comptons sur vous. Très bien. Un chinois du Japon directement. Ok, on a une arme silencieuse. On va jouer la discrétion. Alors, attends, comment on se baisse? Alors, promis. Ah, c'est bon, c'est carré pour se baisser. Et voilà. Un autre chinois du Japon qui est mort. Oh! Il est mort d'une balle dans le dos. Un autre chinois du Japon. Oh là là, l'infiltration est totale. Je suis discrétieux. Là. Ce chinois du Japon m'aurait-il aperçu? De toute évidence, non. Oh, j'ai aperçu un chinois du Japon. Cette blague est éculée. Et malgré tout, je continue de l'utiliser. Ouf, la coucougnette. Par contre, notre arme a l'air très très puissante. Hein. Oh, un autre chinois du Japon. Monsieur, arrêtez de bouger, s'il vous plaît. Vous me rendez la tâche difficile. Pardon. Il a dit banzai. Attends. Voilà, deux balles dans le cul. Voilà, une balle dans le dos, il est mort. J'ai raté. Bon, de toute évidence, j'ai raté deux fois. Et voilà. Oula, qui l'a eu toi-même? Heureusement, il vise mal, hein. On dirait moi. Voilà, couler, jeter la lue. Ouais, il est pas mort. Couler.
Oh non, je suis délé. Il m'a fait peur, hein. Il m'a fait peur, ce chinois du Japon. Bon, il nous faudrait des balles. Je commence à m'inquiéter parce qu'il nous en reste que seulement... Il nous en reste seulement 21. Ah! Non, c'est rien, c'est un chinois du Japon, mais il n'est pas armé. Première classe, Ichiro Tanaka. Je suis monsieur Tanaka. Votre traducteur pour cette petite escapade nocturne. Bien, on ferait mieux d'y aller. Le colonel me tuera si on est en retard. Très bien, monsieur. Voilà ce que je sais sur la Réunion. L'Axe a réquisitionné le meilleur hôtel de bonjour. La ville. Bonjour. Un gradé du nom pas de Shima, Konnichiwa. Personne ne sait qui c'est, ni quels sont ses plans. Mais la sécurité sera maximale. Il paraît qu'il a toute une compagnie de la police secrète sous ses... Bah alors, les gars. Planquez-vous, c'est la voiture des... Bouchou. Bah les gars. C'est moi qui parle. C'est moi qui parle, il dit. Bah... Mais les gars. Bon, l'infiltration, c'est terminé, hein. On a plus notre arme qui tue en un coup, malheureusement. Bon, désolé, hein. Ah, mais c'est bon, on a notre arme qui tue en un coup. On va garder le Colt. Oula. Attendez, attendez, arrêtez de tirer, deux minutes. Je me souviens de cette mission, elle est trop bien, en vrai. Ah là, il faut mourir, monsieur. Bonjour. Bonjour, bonjour. Monsieur Tanaka, où êtes-vous? Ah, Tanaka. Tu es un chinois des États-Unis, c'est ça? Désolé, c'était pour vérifier si tu étais bien américain. N'oubliez pas, les Américains sont résistants aux balles. C'est à ça qu'on les reconnaît. Êtes-vous un chinois agressif? C'est un américain. On a fait demi-tour, de toute évidence. C'est pas par là. Par là, j'imagine. Je suis déjà perdu. C'était pour récupérer des balles. Oh, des munitions de... Et voilà, il est mort. C'est dommage de le rater, là. Oulé, qui s'émeut. Oulé. Voilà, qui s'émeut. Oh my god, moi, je suis une des élus. Qui s'émeut. Qui s'émeut. Voilà. Oui. Oui, qui s'émeut. Voilà. Hein. Comme quoi, parler japonais, ça aide. Toto-san. Shima va mettre la ville à feu et à sang pour nous retrouver. Je vais me débrouiller pour les semer dans les allées. Et ensuite, je vous retrouve à l'hôtel. On va faire quoi à l'hôtel? Rien de bizarre, hein, j'espère. Hein. Monsieur, moi, je suis marié. Hein. Rendez-vous à l'hôtel. D'accord. Je suis pas marié, mais faut pas lui dire. Hein. Alors, attendez, hein. Sauvegarde. Faut pas sauvegarder. Attendez. Attendez, monsieur. Hein. Je sauvegarde. Voilà. Sauvegarde. Oh, des Chinois du Japon. Oh my wamo. Balle dans l'épaule. Oh my wamo. Balle dans l'épaule. Balle à côté, j'imagine. Boum. Oh my wamo. Ah oh, bah. L'avait pas vu, lui. Un chinois perché. Attends. Boum.
Attendez. Hein. Je suis en pleine maîtrise de la situation. Oh, oui, ici c'est compliqué. Oulé. Et voilà. Je suis un Américain plein de maîtrise. Bon, tes couilles. Mais 100%, elle était dessus la balle. Omae Wamo, Shindelu. Omae Wamo, Shindelu. Omae Wamo, il est où? Attends, je vois pas clair à ce point-là. Il est où? Il y en a un troisième, on est. Omae Wamo, Shindelu. Omae Wamo, Lekuniette, Shindelu. C'est un Shindelu mais ancestral. C'est moi ou il est pas mort? Il est pas mort. Mort. Ah. Voilà. On abat les Chinois du Japon. Attendez, hein. On va monter à l'étage. Ah! Mais il est mort ou pas? Mais il est pas mort! Ouais, ça fait peur. Heureusement qu'il meurt d'une balle dans le poids, quoi. Je n'en ai pas la moindre idée. Oula, 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 arrêtez. Arrêtez de tirer, monsieur. Vous voyez bien que vous n'êtes pas raisonnable. Oh, mais toi, je t'avais pas vu. Bon, heureusement. Mais c'est des Américains. Non, c'est bon. C'est des Chinois, mais juste des résistances. Ils avaient des résistances magiques. Des résistances magiques aux balles. Bizarre, mais... Bon, attends. Monsieur. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Bah, t'es libre, je te dis. Donc il est américain. C'est un bon moyen de vérifier si c'est des alliés. Lui, il est chinois, lui. Tu es libre ou pas? Il est pas encore libre. Alors attends, ça me dit quoi la mission? Éviter autant que possible de marcher dans la rue. Pourquoi faire? On a dit pas dans la rue. Incroyable, on a des balles. Oh, on en a 80. Incroyable du cul, comme dirait l'autre. C'est à moi, ça. C'est à moi ou c'est un pot de chambre? C'est un pot de chambre. Il y a quelqu'un qui a pissé dans le pot de chambre, c'est dégueulasse. Ouais, je sais, c'est fait pour, mais c'est pas une raison pour pisser dedans, quoi. C'est dégueulasse quand même. Bon, attends. Mais tu es sûr que tu es pas libre, monsieur? Monsieur, si vous êtes américain, soyez libre. Bon. Il y a un mur invisible. C'est un mur invisible américain.
Alors attendez, hein. Même les murs sont américains. Oh, mais il y a une pièce là. Bonjour. Attendez, hein. Ah! Mécréant! Oh non, il y a encore des japonais. Oulé! Oulé, qui se meurt! Attends, il y en a un, il mitraille sec, hein. Alors attendez, hein, je reprends de la vie. Attends, hop là. Hop là. Mais prends la vie. Voilà, parfait. Bon, on retourne affronter des japonais du Japon. Ok, y a rien. Oh, Kitomo! Je sais pas d'où ça chire. Coulez! Coulez, coulez! Tiens! Ah! Infiltration. Omaewamo. Balle dans la tête. Omaewamo. Mais non, mais pourquoi tu m'as entendu, toi? Cette porte ne s'ouvre pas. Elle ne s'ouvre pas ou elle a décidé de ne pas s'ouvrir. C'est pas pareil, hein. Est-ce que cette porte est rebelle? Alors, est-on perdu? Voilà, monsieur. Excusez, hein. Excusez. Alors attendez, hein, je sais pas où je vais, hein, mais j'y vais. L'important c'est d'y aller. Hein. Pas le temps, faut y aller, comme dirait l'autre. Hola, Konishu. Ah! Bon, à un moment donné. À un moment donné, faut se respecter. Hein. Oula, coulez! Oh Yonki! Eh, tous les. Voilà. Bon, heureusement qu'on récupère tous nos PV. Hein. Ah, c'est tellement dur de bouger le viseur, quoi. Au moins, les coulis! Voilà. Ça compte. Ça compte quand même que pour rien. Trop de refs. Il y a que des refs. Il y a plus rien. Cette porte ne s'ouvre pas, oui. Enfin, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune porte qui s'ouvre. Hein. Il y a que des portes rebelles dans ce pays. C'est un pays de rebelles. En fait, il y avait qu'un truc bonus ici, c'est ça. Moi, je veux la suite du jeu. Ils auront plus de mal à vous repérer si vous longez les colonnes. D'accord. Mais il me tire à travers les murs, lui. C'est un monsieur qui triche. Alors attendez, hein. Là j'ai l'impression que je vais en arrière. Ah mais j'ai l'impression que c'est pas une impression. J'ai l'impression que mon impression n'est pas une impression. Voyez-vous ce que je veux dire ou pas? Bon, on va avancer tout droit et à un moment, on va bien tomber sur quelque chose. Hein.
Et dès qu'on aura tué tous les Chinois du Japon, mais il y aura que des Américains. Et à ce moment-là, la paix commencera, quoi. C'est plus ou moins le plan des Américains, hein. Si on tue tout le monde, bah après, il y a la paix. D'accord. C'est bien un Américain. Désolé, monsieur, hein, j'avais besoin de vérifier. Soldat. Lieutenant Philippe Bromley, SOE, pour vous servir. Arrivé en 32, je suis devenu agent secret quand les Japonais ont débarqué. Vous aviez rendez-vous à l'hôtel pour le thé, n'est-ce pas? Suivez-moi, oui. Nous y serons dans un instant. Bah très bien, en route pour le thé. Il est suspect, il a résisté à une balle. Faut vérifier une deuxième fois. Bon, on vérifiera plus tard. Pour l'Angleterre! J'ai quand même réussi à pas le toucher. Oh, attends. Voilà, j'ai gagné la bagarre. Pour l'Angleterre. Je pensais qu'on était américain. Bon, j'imagine on fait équipe, quoi. UK et USA main dans la main. Pour la reine Elisabeth, n'est-ce pas? Elle était déjà reine Elisabeth II. Bon, certainement. Bon, maintenant elle l'est plus, hein, techniquement. Elle a pris un coup de vieux d'un coup. Ah, bizarre. Ah, bizarre. Je sais pas si cette blague est validée. Attends. Bonjour. Je suis sur les talons d'un colonel. Putain, mais allemand, tu vas passer devant. Comment dire, soulagé de son uniforme. D'ailleurs, il devrait traverser cette place dans à peu près. C'est bien un américain anglais. Tenez, l'ami. Prenez ses de l'Angleterre. Attention aux pointes. À mon signal, jetez-les sous les roues de la voiture. Ça les stoppera net. Et c'est quoi? Il m'a donné quoi? Appuyez sur la touche action pour jeter les choses trappes. Attends, il y a des munitions. Avancez, soldat. Avancez ou faites un choix. Il avance pas. Bah parfait, on est bloqué. C'est la fin du jeu, on est bloqué. Monsieur! Mais je suis bloqué là, vous voyez bien que ça tourne mal là. Bon, c'est peut-être pas par là la suite du jeu. Faut peut-être pas monter à l'endroit où il faut sauvegarder. Ah non, c'est bon, il est débile. On est bloqué par un débile. C'est pour l'aider à réfléchir, ça. Monsieur! Monsieur! Alors attends. Il y a une radio de sauvegarde dans l'escalier. Non! Non! Oh non! L'anglais de l'Angleterre, là, il me gêne. Monsieur! Bougez-vous! Oh, mais il est américain en même temps. Il est anglais et américain, du coup forcément on peut rien contre lui. Monsieur, vous voyez bien qu'il y a un problème là. Oh non, je vais pas devoir charger la partie quand même. Ah, ça picote, hein. Ah oui. Ah mais non, mais il est solide sur les appuis, le monsieur. Forcément, on peut pas passer. Oh non, mais non, en plus je suis en live, je peux pas couper la vidéo. Je m'énerve. Allez, s'il te plaît. Allez, vite. Attends, faut que j'invoque Son Goku. Oh my wa mo shindelu, pitié. J'ai une idée, on va retourner en arrière, en mode... Ah, attends, peut-être qu'il faut mettre les choses trappes quelque part. Ah bah voilà. Ah bah incroyable du cul. C'est bon en fait. C'était pas bugué, merci le monsieur. Mais elle vient d'où cette voiture? Ambiance bizarre. Bah voilà. Ah, merci monsieur. Bon, désolé. J'avais oublié que je ne savais pas.
On peut sauvegarder avec F1. Bonsoir, non. On va sauvegarder à la main. Attendez, hein. Pourquoi je ne sauvegarde pas avec l'objectif? Parce que je ne peux pas. Anecdote, hein. Oh mais non, c'est un japonais avec des couilles en fer. Bon, on peut faire n'importe quoi vu qu'on a sauvegardé il y a pas longtemps. Alors, heureusement qu'ils ont des armes avec très peu de balles. Hein. Castéqué toi-même. Hein. On parle de castaner, c'est pas le moment. Hein. Pas le moment de parler de problème. Hein. Attendez, monsieur. Castéqué. Bon, c'est bon, il est mort. Vous voulez. Allez, ça gérerait d'être efficace. On met des droites partout, nous. Oh my wamo. Influx infiltration. Boum. Il a pas entendu. Je suis à genoux, il me voit pas, mais en fait, apparemment, oui. Apparemment, si, il me voit. Boum. Incroyable. Tout ça pour récupérer des munitions. J'aimerais ne pas avoir à me répéter, sergent Gupta. Et Master Speed. Oula, qui s'aime. Sa pharmacie derrière ces livres. Si vous la voulez, elle est à vous. Je m'appelle Gupta. Passez me voir après la guerre. On ira se boire un petit whisky. Ah, pourquoi pas. Voilà un homme bien aimable. Petit whisky, là. Pour se détendre. Incroyable du cul. On est toujours en infiltration, là. C'est ça qui est le plus incroyable, je crois. Là, on l'est plus. Hein. Il a dit tu es chaud. Je suis d'accord. Hein. Tu es assez chaud bouillant. Aïe. Voilà les coucougnettes. Oh, les deuxièmes coucougnettes, faut dire. On avait dit pas les couilles, mais bon. À un moment donné, il y a des trucs efficaces à faire, quoi. Voilà, c'est Mario en fait. Mario Rising Sun, tu vois bien. Mario au soleil levant. Oh my wamo. Boum. Il a dit ah. Oh, c'est le Denis Brognard japonais. Non, ne tirez pas. Ils ont pas arrêté de m'interroger sur ce Bromley. Vu que je savais rien, ils m'ont mis au placard. Je suis là depuis plusieurs jours. Prenez ces munitions. J'ai perdu mon fusil. J'ai perdu mon fusil, gros. Mais à quoi ça va me servir? Moi, j'ai pas de fusil, moi. Bah voilà. On progresse. C'est moi, Tanaka. Ah, monsieur Tanaka, je vous ai confondu avec un japonais du Japon. Un peu large à la taille, mais ça ira. Il est bien américain. Allez, colonel Candler, il ne faut pas que vous soyez en retard. Très bien, c'est moi, je suis colonel Candler. Votre véhicule, mon colonel. Parfait. Confort, avec un petit aileron à l'arrière. Vous faites un peu de tuning, monsieur Tanaka. Parfait, moi j'aime le tuning. On aime les belles voitures avec des flammes et tout. Enchanté, Tad Pecno. Allez, on travaille. On se sent bien. On se sent puissant, monsieur Tanaka. Colonel, il faut commencer à penser allemand. C'est parti. Hi. Scheiße. Good afternoon, Miami.
Bonjour les japonais du Japon. Oui bien sûr monsieur. Oula cette démarche. Bon séjour. Bon séjour, hein. Bon séjour minable. Je suis chez moi ici, hein. On est d'accord. Je vais pisser par terre, hein, histoire de marquer mon territoire. Bah parfait, on fait un petit tour du proprio, hein. Voilà, parfait. Ah, scheisse. Bah. Oh. Ah, mon ami. Ouf, d'accord. Je suis heureux d'avoir fait forte impression sur vous, chers invités. Car nous, les Japonais de la sphère de coprospérité... Oui, je suis japonais. ...avons découvert de grandes richesses dans les autres pays. Cet or est un gage de sécurité pour l'avenir du Japon. Mais qu'en est-il du présent? Parle bien français, le japonais, là. L'or ne saurait acheter davantage d'armes et de navires. Alors, que peut-il acheter? Laissez-moi vous présenter le général Borov. En échange d'une certaine récompense, le général m'assure qu'il y aura bientôt un nouveau dirigeant en Russie. Quelqu'un qui pourrait garantir la paix avec l'Allemagne. Le Führer n'acceptera jamais ce plan, bien sûr. Cependant, des membres de son haut commandement sont prêts à le renverser. Renverser le Führer par un homme qui offre une perspective claire. Leur porte-parole s'est joint à nous. Imposteur ! Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Il m'a volé mon uniforme ! Ah, bien joué. Oh, je n'étais pas allemand. Scheiße, on est bloqué, Kevin. Veuillez... Kevin? Calmez-vous, Kevin. Voilà, ouais, alors là, tu triches, gros. Cette porte est fermée à clé, Kevin. Il faut trouver des solutions. Là. Oh, la diapo est récupérée, tout va bien. Kevin. Bah, c'est bon, j'ai la meilleure arme du jeu, en fait. Cette arme, elle est cassée, hein. Y'a même pas besoin de viser, quoi. Ah, ça, c'est la Kaiser à demande. Nous avons les moyens de vous faire parler. Oui, je sais, c'est le pire accent allemand que vous ayez entendu de la galaxie. C'est incroyable. Je sais pas faire l'accent allemand. Je sais pas faire les accents pour toi. Oh là là, ouh là là. Heureusement, ils ont juste des chiguns et moi, j'ai une arme de guerre, quoi. Ils ont des pistolets quoi, ils font piou piou et moi je fais bah 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 bah. Bon, oh, elle est trop forte. Ah, Shimale. Ouh, il est où? On match Shimale. Voilà, Shiné. Mitraillé, il y a bien une balle qui va toucher quoi. Bah très bien, on s'enfuit non? Attendez le moment opportun pour frapper, bah vas-y, hein, on va monter du coup. Hein. S'il faut frapper, c'est qu'il faut tuer tout le monde. Moi je pense que c'est un plan qui me va. Hein. Moi j'aime tuer des gens. Enfin je veux dire, j'aime faire la guerre quoi. Kawaika. Kawaiune. Il y a un mec qui tire, je sais pas où il est. Ça j'ai hâte d'oser quoi.
Bon, venez, on se casse à partir d'un moment. Quoi. On est venu ici pour un truc ou pas? Attends, jusqu'à passer dans la salle du bal. C'est ça la salle du bal, non? Kawaiyoka. Oh les wa Kawaiyoka. Oh la Kayoka, c'est pas là. Benjia. C'était lui qui me tirait dessus à travers les murs. Même le cuisinier est armé. Mais... meurs à un moment donné. Ah, on a touché un point sensible, hein, malheureusement. Hein. Les Chinois sont très sensibles des testicules. Hein. Alors attendez, on sauvegarde. Allez où la... allez là. Allez où la souris, allez. Et voilà. Donnez-moi des grenades, Kevin. Très bien. Alors attendez, j'ai besoin de soins. Bah, c'est bon, je suis plus PV. Ça va vite, hein. En avant, Kevin. Cette porte ne s'ouvre pas. Celle-ci non plus. Celle-ci non plus. Celle-ci non plus. Très bien. Que faisiez-vous là? C'est suspect, messieurs. Moi, de mon envie de juger votre amour. Mais il y a des endroits plus sûrs qu'un hôtel pour faire ça. Ouais. Ah bah on a gagné. Bah je viendrai là. Non, je viendrai, c'est mieux, c'est plus rigolo. Ah bah incroyable, on va devoir défendre le véhicule, c'est ça? Cette information doit remonter à l'OSS. Notre seule chance est de trouver l'or et d'empêcher son transport. Je pense que j'ai encore quelques amis. Oh bah non, c'est terminé. Oh bah non. Oh, il fait peur lui. Il a l'air vénère le chinois. Même si c'est un japonais. Systematic pillaging of Asian wealth. The team looted thousands of metric tons of gold and valuables from Chinese cities. Alors les Chinois et les Japonais sont méchants. Les Américains c'est des gentils. After his conquest of Singapore, the repository of many hidden British. Les Japonais c'est des radins et les Américains nourrissent les pauvres. Moi je pourrais lire les trucs aussi. Naval transport. However, after allied forces picked up on this tactic and began hitting the emperor's navy hard, the Japanese began securing their treasure in underground mines. Incroyable du cul, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de notre grande aventure sur Medal of Honor et le soleil levant. Au revoir.